It's a Rock On Music production. Et voici les bénéficiaires des maisons de la cité Maman Olive Lembe Kabila. Ce sont des familles des Congolais qui jadis étaient confinés dans des quartiers mal famés de Kinshasa, vivant dans des conditions de misère indescriptible, sans une moindre lueur d'espoir d'en sortir un jour. C'est le doigt des dieux, l'Éternel qui bénit, qui les a tous pointés. Oh, Nzambe na nguye, Nzambe monene, Nzambe na Israël. Nzambe na bikamwa, Nzambe na bibele. Nzambe. Oh, Nzambe oyo. Ils seront à l'honneur ce dimanche 30 juin 2013, date anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une journée choisie par Marie-Olive Lembe Kabila pour inaugurer la cité qui porte son nom et installer les heureux bénéficiaires. Se déroule au cours d'une cérémonie ponctuée par 4 allocutions précédée d'une prière d'ouverture faite par l'ambassadeur Théodore Mougalo. Aujourd'hui, il y a jonction de 2 écritures. De son côté, la donatrice, c'est Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et les libéralités, parce que c'est à des tels sacrifices que l'Éternel prend plaisir. Et la deuxième écriture, toi, tu dis dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Ça, ce sont les bénéficiaires. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec des supplications, actions de grâce. Et les bénéficiaires, ils ont prié, et il y a eu des témoignages, et jonction de ces 2 écritures, la maison est là, c'est une réalité, ce n'est pas un songe. Seigneur, puisque tu es honoré au travers de la donatrice et au travers des bénéficiaires, nous te demandons maintenant de bénir cette cérémonie. Le bourgmestre de Lancélé, commune qui a reçu cette cité moderne comme un don du ciel, ne retient pas sa langue pour manifester sa reconnaissance. Vive dans ces jours la joie, la jolie cité avec un auréole indescriptible dans son décor, qui présentement fait la fierté de notre commune par rapport aux autres de même nature environnementale à caractère urbano-rural. Mais hélas, n'en ont pas bénéficié de cette chance. Que Dieu vous comble des bénédictions en cela, première dame. Monsieur Jean-Paul Adam, administrateur financier de la société OTG, entreprise qui a repris et finalisé les travaux de construction de la cité, va à son tour présenter le site. Cette cité qui compte 120 maisons. Alors, dans chaque maison, il y a un salon, 3 chambres, une douche, une terrasse. Cette maison est construite sur une parcelle de 150 mètres carrés environ, en moyenne. Ces maisons sont dotées d'un système de cartes prépayées fournies par la SNEL. Et elles sont déjà préchargées. 10 $ qui sont offerts par la première dame. Il y a aussi une école qui se trouve derrière vous et à côté, avec 12 classes et des bureaux avec toilettes. Un hôpital d'une capacité de 56 lits
une maternité avec 10 lits, un bloc opératoire, un bloc technique, une pharmacie et les urgences. La société Chalina avait commencé les travaux sur ce site. Nous avons poursuivi ces travaux à partir du mois de mars de l'année 2010 jusqu'à ce jour. J'aimerais tout particulièrement remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué à ce chantier. Je pense notamment à la SNEL, la Régie des eaux, le Service national hydraulique rural, ainsi que tous les autres. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Indépendance, tcha-tcha. Charles Naoué Djimondele, ministre des Affaires sociales, ne s'empêchera pas de prodiguer des conseils aux bénéficiaires avant de louer cette œuvre qui vient booster les secteurs de son commandement. Il n'y a pas de mots pour vous remercier. Premièrement, puisque vous avez boosté notre secteur, le chef de l'État a placé son mandat sous le signe du social. Et là, vous venez de tracer la voie. Comme disent les Quinois, Mouton Alex Aranzela, Bazara toujours. Pour une inauguration comme celle-ci, à l'entrée, on aurait dû voir une pancarte, ici en République démocratique du Congo, financement de tel organisme. Mais pour une fois, on vient assister à une remise gratuite aux familles vulnérables, et là, on ne voit que le nom de la distinguée première dame. Je demande à toute l'assistance d'applaudir et surtout de demander que Dieu continue à vous bénir. Je ne sais pas si votre prénom était prédestiné, puisque le Méditerranéen, pour soigner les cœurs, il demande qu'on prenne l'olive ou l'huile d'olive. Et là, vous avez soigné les cœurs de ces familles qui étaient blessées, qui n'avaient plus d'espoir, qui ne savaient pas comment ils pouvaient un jour accéder à la propriété. Je voudrais surtout souligner que la famille Obozo Zouabanda, vous avez écouté pour l'obi au Tekango et puis auquel les sous-sobani Koloba, maman Olive, t'as l'air d'habitude du Cameroun. Enfin, l'épouse du chef de l'État, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, prendra la parole pour expliquer son geste. Pour moi, c'est un bonheur inestimable. Je remercie l'Éternel qui m'a donné les dons de partage. En ces jours mémorables de l'anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, mon discours se résume dans l'hymne national. Debout, Congolais, unis par l'essor. Bien sûr, je suis consciente que ceci, devant les nombres que nous avons, des personnes qui ont besoin d'un logement décent, n'est rien comparé à ce que je viens de faire. Mais je suis aussi consciente que 1 et 0 ne seront jamais égales. Je ne peux pas me passer de remercier principalement mon cher époux, mon bien-aimé mari, de tous les bienfaits, de tous les soutiens
à toutes les œuvres, à tous les travaux que j'abats, que j'ai fait sur l'étendue d'ailleurs de notre pays. Soyez sûrs, si ce n'était pas un bon mari, un mari parfait, je ne saurais atteindre mes objectifs. Combien de fois ai-je demandé à certains de nous soutenir dans tel ou tel autre dossier qui reste jusqu'à ce jour non résolu. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, parce que en tant que chrétienne, bien encadrée, je vais emprunter une phrase que m'a donnée l'évêque de Goma il y a 2 jours, du Nord Kivu, Monseigneur l'évêque Kaboï. Malgré que le mal semble gagner sur terre, des catastrophes naturelles, des multiples guerres par-ci, par-là dans le monde, mais Dieu a les derniers mots. Et en lui, en Jésus-Christ, nous serons toujours vainqueurs. Je n'ai rien d'autre à ajouter, sinon que de vous remercier tous de votre présence, car ceci est un soutien moral considérable. Que Dieu vous bénisse, et prochainement, quand je frappe à votre porte, s'il vous plaît, ouvrez-moi. Merci. De manière symbolique, elle va procéder sur la tribune de la cérémonie à la remise des 2 actes de cession à 2 bénéficiaires. Pour Nandima quitter, donc ça surprise, en tout cas Nzamba Sungai, Nzamba se quitte ça sur la route. Accompagné de ses invités, sous les cantiques de joie des habitants du quartier Bibois, venus nombreux saluer cette œuvre, Marie-Olive Lembe Kabila, soutenue par sa belle-sœur Jeannette Kabila, va couper les rubans symboliques pour donner libre accès aux villas. Voyez, les Belges nous ont laissé Matete, Lemba, c'est de ce style-là. Si on avait continué comme ça, au moins chaque année, on inaugure une histoire pareille, donc notre ville de Kinshasa serait autrement présentée. Elle ira ensuite lancer, de manière symbolique également, le courant électrique à partir du compteur à système de cartes prépayées. La première des choses, on ouvre le capot, on l'active. Après avoir acheté du crédit, qu'est-ce que nous faisons? On nous donne un ticket au guichet. Le ticket a un code à 20 chiffres. Vous l'implémentez à l'aide du clavier qui est sur le compteur. C'est dur, hein? Voilà. Et ça, c'est pratiquement l'identité de ces compteurs ici. C'est un exemple pour toutes les institutions du pays parce qu'elles se donnent à 200%. Et nous sommes témoins du travail que Maman Olive fait pour les Congolais. C'est une œuvre qui donne le sens de l'expression de l'amour du prochain. Ceci est un geste d'altruisme. C'est un geste à la fois plein de profondeur et d'enseignement. L'enseignement ici, c'est l'essence qu'elle nous donne de l'humanisme et de l'humain. Parce qu'être humain, c'est penser aussi aux autres. C'est vivre avec les autres et pour les autres. Émerveillé par la beauté du site que Marie-Olive Lembe Kabila fait don à ses compatriotes en ce doux soleil du 30 juin, les invités à la cérémonie vont s'aligner pour féliciter l'épouse du chef de l'État.
Mon sentiment principal et l'unique, c'est de remercier la maman de cet amour du prochain qu'elle vient de manifester encore aujourd'hui. Son temps, son amour et le geste social pour ses bénéficiaires qui est louable et admirable. J'ai plein d'admiration pour ça. Invité par la première dame à effectuer une visite technique de l'hôpital, les médecins, directeurs de la clinique Ngaliema et son équipe fait noter que c'est un bijou complet. Ma foi, c'est un bijou complet, très très grand et capable d'absorber la population du voisinage. J'ai appris qu'ils étaient à 30 000. Je pense que non seulement il pourra absorber la population du voisinage, mais aussi servir de point d'appui avant d'arriver à la maison mère. Félix Kabangé-Numbi, ministre de la Santé, prend la mesure sur le champ d'accompagner l'hôpital de la cité Maman Olive Lembe. C'est une cité complète, parce qu'au-delà des habitations, Maman Olive Lembe a également mis une école. Et pour ce qui me concerne, moi personnellement, il y a un hôpital de 56 lits. Donc nous allons devoir accompagner cet hôpital. Je pense que la première des façons, ou la meilleure des façons d'abord d'accompagner cet hôpital, c'est de pouvoir, avec le ministère de la Fonction publique, mécaniser le personnel qui est dans cet hôpital et pouvoir régulièrement les intégrer dans le système de soins de santé primaire à travers la zone de santé de Lancelé. Un bijou installé dans cette cité traversée par les avenues qui portent les noms des 11 provinces de la RDC, tout comme ses bénéficiaires qui viennent de 24 communes de la capitale, originaires aussi de toutes les 11 provinces, dont la couleur politique, religieuse ou culturelle n'a pas déterminé les critères de choix. Maman Olive, merci maman. Batwa lobio bazo pesa ka baswahili. Ngana za muyombe. Ah yayo, dia ukini vraiment futu ni matondo vraiment. Kwa tata Nzambi, kwa ni mtu vraiment. Tata Kabila, merci beaucoup tata Kabila, merci beaucoup. Tuka ningela, ningela mvini muku toa saki dila. Bamba ni maman Olive dia no wa baswahili. Lelo tete baluba ni mwana kasai. Lelo maman Olive ampe shinzu. Chimwenzi na cha chintu, chimwenzi na cha chintu. Ndi ndo mbaku di Nzambi. Merci. Seigneur Jésus-Christ, na zindako na kana kité. Na u na nyoko ami na kilokaté. Lelo na sur ya ngai nzamba bisinga. Merci maman. Parmi eux, ce travailleur du site qui vient d'avoir la nouvelle à l'instant même, il n'en revient pas. Parce que posséder une maison, c'était une réalisation que je ne croyais pas. C'est-à-dire en me réservant une villa. Vraiment une grande bénédiction pour moi. Je ferai combien lui dire merci. Marie-Olive Lembe Kabila, qui ne se limitera pas à la cérémonie d'inauguration, va installer chaque bénéficiaire dans sa villa.
Les dossiers parcellaires qui est remis s'accompagnent d'une enveloppe que l'épouse du chef de l'État remet personnellement en main propre pour assurer une bonne installation de ses compatriotes. Le passage de la première dame libère des vives émotions. Hier, sans adresse, d'autres à la merci des bailleurs sans cœur, les bénéficiaires des villas de la cité Maman Olive ne savent quel mot utiliser, ni quelle position prendre pour remercier l'épouse du chef de l'État. Jamais mon toi out en attend un mérita et loco. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à Royonza Masala et son mama Katena Mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. A fumole la bison, et coupé qui n'en a que bon. Tout est grâce, tout est grâce. Ata et loco ya au fêlé, c'est n'a qu'à critère. Tout est grâce, tout est grâce. So cause invitation à mon consola te lamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango lue, bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango lue, makambo Yesu asala pona biso. Ezango lue, kokoma mwana nzambe. Ezango lue, oyo Yesu asala nekuluso. Afuta nyonso esengeli, potokoma bana nzambe na kondima. Tokota na bomo ya bosantu. Et à la puce sans effort. Bolingo, yesu ala qui sapona biso. Et à bolingo ya oufele. Biso nyon so basan tout o emba. Toganga ya oufele. Bolingo, eza. Mola mouna nzambeza. Mawa nzambeza. Mola mouna yesu eza. Esengi makasi teo. Mawa nzambeza. Mama mo santweza o kota na sandesa o bolingo eza o bolingo ya nzambeza Moto ya wuton a dans Amerita et loco. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à Oyonza Masala et son mama Katena Mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. A fumole la bison et écouté qui n'en a que mot. Tout est grâce, tout est grâce. Ata et loco ya oufele, c'est n'a qu'à critère. Tout est grâce, tout est grâce. So cause invitation à mon consola te lamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango lue, bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango lue, makambo Yesu asala nekuluso. Pe matozwi ya ofele, toyebi kutu mopesi te. Kobatela mabe ya ofele, tomoni kutu mobateli te. Kasi bolingo na ye mpona biso, ewuti na mozindo ya motema. Asala nyonso asengi eloko te, otoko kiko pesa en aretu. Bolingo. Ya ofele, ya ofele. Ya mbobe na jindawa. Tuwa shambre, ezala gabe na kata kongo.
bouche na kati, ma kamoto kuzi na kati. Insurance at Money Supermarket, and now he feels epic. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you? Dave, wish your darling, girlfriend was wrong you're like so me. Money Supermarket. Insurance.